moment où il a préparé l'autre attaque, il a déplacé à en partie quand même de troupes. La police fédérale a quitté au fait attaque là et puis attaquer base principale là et puis tout profiter de cette Léo. Il y a des moments extrêmement importants que la police a doit perdre. Parce que là où elle a attaqué l'autre, il y a une partie dans la troupe principale là quand même qui est déplacée. Et c'est le ça que la police, moi, pensait, devait justement faire enveloppement pour eux. Parce que ça vient arriver. Jusqu'à présent, c'est vrai, il y a plus de monde, il y a tout gagné, c'est fils d'assaut, il y a. Fils d'assaut a des droits à R16, il y a des droits à AG4, il y a des droits à M16, il y a des droits à Kalashnikov. Fils d'assaut, ça veut dire son fusil pour un calibre 7,56 ou 7,62. Donc, il n'y a pas de l'autre arme, il n'y a pas de l'anti-tank. Donc, la police, jusqu'à présent, en supériorité de feu qu'elle devait utiliser par rapport à nos problèmes de Grignot, pour que là, ça a produit pour te mettre en puissance de feu supérieure de là, pour te profiter non seulement débarrasser le gang principal là, mais tout débarrasser de tout Antonio. C'est un moment extrêmement important que la police s'est dû profiter de son opération qui est basée sur une supériorité de feu, puisque la police est au moins par un nouveau blindé qui ont même une supériorité par rapport à la fusée d'assaut que dans l'arrière. Mais quand il y a là, la police, non, elle n'est pas formée pour. Parce que ça, c'est là, on est d'accord avec son guerrier à Ruben Nier. Exact, moi d'accord. La police, non, elle n'est pas formée pour ça. Et nous venons de voir pas quelqu'un qui est dépassé par les événements. Côté que, bon, c'est vrai qu'on l'a, mais là, mais qui l'a, mais il n'y a pas effectif. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas de matériel qu'elle gagne. Moi, je suis que vous avez parlé avec moi dernièrement, ça a 4-5 mois. Vous avez dit que vous avez un plan national de sécurité. Vous n'avez pas mettre en face dirigeant. Oui, moi, je me dis, ni par le CPA, ni par le tout battu. Alors, je m'explique aux questions que vous posez. C'est vrai, nous avons la police, et la police divisée en deux parties. La police administrative, qui sont la police préventive, et la police judiciaire, qui sont la police répressive. Pour nous capter bien comprendre, la police administrative, là, c'est ça qui est en train de bleu, qui est dans le commissariat, qui a exécuté le mandat, qui a fait circulation, et qui a signé un trouble. Qui n'a pas dépassé des cas de 50 monde qui n'a pas arrêté eux-mêmes. Mais la police répressive là, c'est des CPJ et médecins de l'ordre là. Donc, deux types de police là, ils n'ont pas préparé pour guérir. Je suis complètement d'accord. Mais ça privé, c'est que dans la police là, il y a des unités spécialisées qui ont un entraînement de police militaire. L'autre prend soit team, l'autre prend BIM, il y a des entraînements de police militaire, et c'est peut-être ça dans le plan. Hein. Moi, je vous recommander que la police administrative a toujours fait travail et nous avons formé environ 600 policiers de type, on a dit, police répressive qui est pour unité spécialisée. Parce que l'unité spécialisée sont police militaire que liée. Et c'est peut-être ça, pour porter parler avec ça qui est là, porter, former, sortir les unités tactiques anti-gangio ou bien unités soitio qui pour eux-mêmes, en retour, tu fais face à la question. Ça veut dire la police n'a pas préparé. C'est vrai, c'est la police administrative qui n'a pas préparé. Mais la police judiciaire et la police spécialisée n'ont préparé par rapport à la question. Ça, puisque bon, ils ont une unité spéciale. Dans certains pays, même, la police soit là qu'on plus préparé que la MIA par rapport à type de guérilla urbaine. Mais cependant, ça vient arriver ma question à la police. Là, leur film gagne un blindé. L'offre une police spécialisée, faut faire en dedans, faut organiser. Parce que si une police spécialisée a quitté la évolué, même j'ai la tête orale, eh bien, il n'y a pas de bon résultat par rapport à Guéry à Uber. Par exemple, au lieu de gagner soit TIM, au lieu de gagner UTAG, au lieu de gagner plusieurs unités spécialisées, bah, il y a une seule formation de Guéry à Uber qui permet de gagner un bataillon qui paraît pour que yo fait face à bandi yo. Par exemple, blindé yo, jusqu'à présent, si vous avez blindé yo, quitté yo, en blindé individuel. Par exemple, vous avez un blindé qui pose son côté, ou vous avez un blindé, non. Deux fois, vous faites face à guérilla, yo, ben, faut une unité de blindé. Son unité qui est la même, qui apparaît sur les lieux, qui fait première puissance de feu, et qui permet que l'autre unité yo, yo même yo évolue pendant la première puissance de feu. Ça veut dire pénétration, c'est l'ic pour faire. Exactement, il fait première pénétration et là ça a mouillé pas en blindé. Puisque la fait première pénétration, l'autre unité spécialisée a évolué pour que au cas éradiquer gagne. Malheureusement, ouais, il
yo servi à unité blindée quand yo t'a fait maintien de l'ordre. Yo étant dans unité blindée, yo tiré et puis aller. Maintien de l'ordre là, c'est l'ordre était en dans blindée pour lancer gaz là et puis là ça comme c'est manifestant y aller et pour venir. Mais là pas de manifestant en face. Ou gain des ou gain mec qui a fait guérilla. Et ça Jeff Canaran d'ailleurs qui sorti de ISO. ISO lui-même, lui voyait Jeff Canaran et Jeff Canaran lui-même avait fait expansion en l'autre côté. Gagné gang qui sédentaire, c'est des gangs qui vivent en seul côté, eux-mêmes, ils occupent les zones là, et puis ils ont pas déplacé. C'est un grand gang en la Cité Soleil, ils ont pas déplacé. Gagné gang qui fédérateur, d'un coup, ouais, G9, gagné là, a essayé de rallier notre gang. Mais quand nous y est là, son gang expansionniste, c'est-à-dire son gang côté l'irrivé là, l'a essayé à la conquête de l'autre territoire. Donc ça veut dire que pendant lui là, l'a essayé de mettre des antennes pour préparer et l'autre côté là. Donc si on souhaite que l'attaque la fête, ça veut dire que pendant longtemps, l'a préparé ça. Et là, ça a fait intelligence, la police, qui a, à partir du moment que l'identifier gang là, parce qu'il faut la police identifier Gagnon pour connaître comment pour faire agir intelligemment. Mais colonel, colonel, gang la protéger technique, qui vient faire pour tout kilomètre ça pour l'aller? Eh bien, comment faire prendre? C'est que gang expansionniste à la base, lui mettre des antennes, lui préparer à ta classe, c'est-à-dire que lui quitter monde, assez de monde côté livré occupé comme base là, et puis le ça avec antenne, l'attaquer l'autre côté. Yo. Son préparation qui mène là, c'est pas un bagage que le fait du jour au lendemain. C'est pas un bagage que le pense que je dis à la bataille et puis l'aller. Parce que lui consolide des positions, lui mettait des antennes, enfin que le dans leur position. Et quand l'expansionniste là, si la police a une bonne intelligence, la voit que c'est pas simplement à KR, après ça va laisser à le monter puis bon toujours. Parce que lui-même, l'intention, c'est occuper des territoires et l'un après l'autre, de façon à ce qu'on ait plus d'influence. Donc, son mec fait hier là, son bagage que depuis 4, 5 mois, 6 mois, si la police a suivi, la police s'apprête que il y a un thème qui est placé, la police s'apprête qu'il y a un mouvement qui fait, il y a des gens qui ont recruté dans la zone là, c'est pas nécessairement avec base et principale de que le faire, le faire avec des bases secondaires que l'aller pour faire expansion dans le territoire. Mais qu'on est là? Le nèg la lui-même lui vient pour territoire ça par exemple là on nous dit à Kaye parce que yo fait résistance si yo pas arrêté mais qu'on a qui ça empêcher que la police lui-même et question dans ça oui comment tu donne nèg la au moment où que y a préparé l'autre attaque yo déplacé à en partie quand même de troupes la police qui doit quitter au faire attaque là et puis attaquer base principale là et puis tout profiter ça que yo il y a des moments extrêmement importants que la police pas doit perdre. Parce que là où elle a attaqué l'autre, il y a un parti dans la troupe principale là quand même qui est déplacé. Et c'est le ça que la police, moi, passé, devrait justement faire enveloppement pour eux. Parce que ça a diminué. Jusqu'à présent, c'est vrai, il y a plus de monde. Il y a tout gagné, c'est fusilation. Fusilation a bien droit à R15, il y a bien droit à AG4, il y a bien droit à M16, il y a bien droit à Kalashnikov. Fusilation, ça veut dire son fusil pour un calibre 7,56 ou 7,62. Donc, il n'y a pas de l'autre âme, il n'y a pas de anti-tank. Donc, la police, jusqu'à présent, en supériorité de feu qu'elle devrait utiliser par rapport à nos problèmes de Grigno, pour que là, ça lui a produit pour te mettre en puissance de feu supérieure de là, pour te profiter non seulement débarrasser le gang principal là, mais tout débarrasser de tout antenne. C'est un moment extrêmement important que la police doit profiter de son ordre d'opération qui basé sur une supériorité de feu, puisque la police est au moins 40 nouveaux blindés, qui ont même une supériorité par rapport à la fusée d'assaut que dans l'arrière. Mais quand il y a là, la police, non, elle n'est pas formée pour. Parce que ça, gagne là, on a d'accord avec son guerrier à Ibernier. Exact, exact, moi d'accord. La police, non, elle n'est pas formée pour ça. Et nous venons de paquet de monde qui est dépassé par les événements. Côté que, bon, c'est vrai qu'on l'a, mais là, mais qui l'a, mais il n'y a pas qu'on effectif lui. Et puis, deuxièmement, par contre, qui matériel qu'il gagne. Moi, je veux que tu as parlé avec moi dernièrement, ça compte 4-5 mois. Ou tu dis que tu as un plan national de sécurité. Ou pas de jamais mettre en face dirigeant. Oui, moi, je m'explique ni par CPA, ni par être battu. Alors, je m'explique aux questions ça vous posez. C'est vrai, nous avons la police, et la police divisée en deux parties, la police administrative
qui sont la police préventive, et la police judiciaire, qui sont la police répressive. Pour nous capir bien comprendre, police administrative là, c'est ça qui est en premier bleu, qui est dans le commissariat, qui a exécuté mandat, qui a fait circulation, et qui a signé un trouble qui n'a pas dépassé une décade de 50 monde, qui a paré eux-mêmes. Mais la police répressive là, c'est DCPJ et médecins de l'ordre là. Donc, deux types de police là, ils n'ont pas préparé pour guérir. Je suis complètement d'accord. Mais ça crée, c'est que dans la police, il y a des unités spécialisées qui ont un entraînement de police militaire. L'on prend soit team, l'on prend BIM, je viens des entraînements de police militaire, et c'est peut-être ça dans le plan. Hein. Moi, je vous recommande que la police administrative pas toujours très travaillée et nous avons formé environ 600 policiers de type, c'est-à-dire police régressive, qui sont pour unité spécialisée. Parce que l'unité spécialisée sont police militaire est liée. Et c'est peut-être ça. Pour préparer avec ça qui est là, faut former, sont les unités tactiques anti-gagnants ou bien unités SWAT qui pour eux-mêmes, en retour, te fait face à la question. Ça leur dit, la police n'a pas préparé, c'est vrai, c'est la police administrative qui n'a pas préparé. Mais la police judiciaire et la police spécialisée, ils préparent par rapport à la question, ça, puisque bon, ils vont aussi unité spéciale. Dans certains pays, même, la police SWAT là, qu'on peut préparer, que la MIA par rapport à type de guérilla urbaine, ça y est. Mais cependant, ça vient arriver, ma question à la police là. Leur finger est blindé, leur finger est police spécialisée, faut faire en dedans, faut organiser. Parce que si on a une police spécialisée, on quitte la évoluer, même j'en appelle normal, eh bien, il n'y a pas de bon résultat par rapport à la guérilla urbaine. Par exemple, au lieu de gagner, soit team, au lieu de UTAG, au lieu de BIM, au lieu de plusieurs unités spécialisées, bah, une seule formation de guérilla urbaine qui peut permettre ou gagner un bataillon qui paraît pour que yo fait face à bandit. Par exemple, blindé, jusqu'à présent, si vous avez blindé, vous quittez en blindé individuel. Par exemple, vous avez un blindé qui pose son côté, ou vous un blindé, non. Dès que vous faites face à guérilla urbaine, vous avez une unité de blindé. Sont unités qui la même qui apparaît sur les lieux, qui fait première puissance de feu et qui permet que l'autre unité de même yo évolue pendant la très puissance de feu. Ça veut dire pénétration, c'est le pour faire. Exactement, il fait première pénétration et là ça a mon pas en double DA. Puisque la fait première pénétration, l'autre unité spécialisée qui a évolué pour que l'on éradique Gagnon. Malheureusement, ouais. Ils ont servi à éviter blindé quand ils ont fait médecin de l'ordre. Ils ont été dans l'unité blindé, ils ont tiré et violé. Médecin de l'ordre là, c'est l'ordre qui était dans blindé pour lancer gaz là. Et puis là, ça, comme ces manifestants y allaient, et pour venir. Mais là, on va des manifestants en face. Ou bien des qui fait guérilla. Ils sont Jeff Canaran, d'ailleurs, qui sortit de ISO. Ils sont lui-même, ils voient Jeff Canaran, et Jeff Canaran lui-même avait fait expansion en l'autre côté. Gagner gang qui sédataire, c'est des gangs qui vivent d'un seul côté, eux-mêmes, ils occupent les zones là, et puis ils ne sont pas déplacés. C'est un coup grand pile gang en Cité Soleil, ils ne sont pas déplacés. Gagner gang qui fédérateur, quand coup, ouais, G9, gagner un APC ou allié, notre gang. Mais quand nous y est là, son gang expansionniste, c'est-à-dire son gang, côté l'unité là, la PC à la conquête de l'autre territoire. Donc ça veut dire que, pendant l'île là, la PC mettait des antennes pour le préparer. Et l'autre côté. Donc, souvent que l'attaque l'a fait, ça veut dire que pendant longtemps, l'a préparé ça. Et là, ça, c'est intelligence, la police, qui, à partir du moment que l'identifier gang là, parce qu'il faut la police identifier gang là, pour connaître comment pour faire agir intelligemment. Mais, colonel, gang là, protéger technique, qui a fait pour tout kilomètre ça pour l'aller? Eh bien, comment le faire prendre? C'est que grand expansionniste à la base, lui mettait des antennes, lui préparer attaque là, c'est-à-dire que lui quittait monde, assez de monde côté livré occupé comme base là, et puis le ça, avec antenne, l'attaquer l'autre côté. Yo. Son préparation qui menait là. C'est pas un bagage que le fait du jour au lendemain. C'est mon bagage que le pensait que je dis à la bataille et puis l'aller. Parce que lui consolide des positions, lui mettait des antennes. Enfin que arriver dans leur position. Les gens expansionnistes là, si la police a une bonne intelligence, la voit que c'est pas simplement à KR, après ça va essayer à le monter plus haut toujours. Parce que lui-même,
l'intention, c'est occuper des territoires et l'un après l'autre de façon à ce qu'on ait plus d'influence. Donc, son fait hier, là, son bagage que depuis 4, 5 mois, 6 mois, si la police a suivi, la police s'apprête que il y a un thème qui est placé, la police s'apprête qu'il y a un mouvement qui fait, il y a des gens qui ont recruté dans la zone. Ce n'est pas nécessairement avec base et principale qui le fait. Il fait avec des bases secondaires que l'aller pour faire expansion dans le territoire. Mm-hmm. Mais quand on est là, le nègre lui-même, il vient pour le territoire, ça, par exemple, là, on nous dit à Kaye, parce qu'il y a une résistance, si on va arrêter. Mais qu'on a qui ça empêche que la police lui-même, et question de ça, oui, comment est-ce que le nègre